Bonjour, bonjour. Donc, il fait encore nuit. Et oui. Donc, je regarde la vidéo de Tanguy et Noémie. Parce que j'adore leurs vidéos. Voilà. Là, j'ai sorti mon petit, je ne sais pas si vous voyez, ma petite lumière. Là, ça y est, j'ai commencé à sortir. Voilà. Wow, j'ai fait fort. On est le 4 novembre. J'ai commencé à sortir une décoration de Noël. Waouh! Une déco. Il y en a plein qui ont déjà commencé sur les groupes. Ils ont commencé depuis le mois d'octobre. Ils nous mettent de ces beaux trucs. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Oh là 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 là. Il y a plein de gens qui craquent. Ils vont déjà acheter leur décoration. Ils mettent leur décoration. Ils ont déjà décoré. Alors, il y a les femmes sur le groupe, il y en a deux qui avaient dit que le mari voulait pas faire la décoration trop tôt parce que c'est trop tôt, c'est pas arrivé à décembre et tout. Alors, moi, je le remarque, montre toutes les images du groupe, toutes les photos du groupe à ton mari, tu vas voir, il va craquer. Il va commencer à décorer. Ouais, c'est trop génial. C'est trop génial. Alors sur Facebook, j'avais lu aussi, il y a un article qui dit que les gens qui décorent plus tôt, qui font les décorations de Noël plus tôt, sont les gens les plus heureux. Ce sont des gens heureux, je sais plus. Ah, mais je confirme. Mais je confirme, c'est génial. Oui, je vais commencer à décorer. Bon, j'ai ma décoration suspendue là-haut que j'ai jamais pu enlever. Pourquoi? Parce que je suis trop petite. Donc, comme c'était une amie qui me l'avait mise, vous voyez là. Voilà. Du coup, elle y restait toute l'année. Voilà. Et elle y restera jusqu'à ce que quelqu'un vienne me l'enlever. Bon, c'est pas gênant. Hein. Celle-là, elle est déjà mise. Donc, il va falloir que je commence mes décorations. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, on est dimanche 4 novembre. Donc, je vais déterrer mes plantes qui sont dans le jardin. J'aurais dû le faire en septembre, hein, septembre-octobre. Bon, je suis un peu en retard. Mais c'est pas grave. Et donc, je vais les déterrer. Touc, 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 et je vais les mettre dans mes pots. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir à un ou pas là? Dommage que j'ai pas la télécommande. J'ai pas de télécommande. Je peux pas ouvrir les fenêtres avec une télécommande. Quelle idée aussi. Bon, voilà. Donc, je vais les mettre dans des pots que j'ai, hein, des pots, voilà. Et au moins, ça sera fait. Et quand je déménagerai, j'aurai plus qu'à prendre les pots et puis les amener. Voilà. Et comme ça, la terre, elle aura le temps. Je vais reboucher les trous et puis voilà, ça sera fait. Je vais faire ça. Je vais couper un petit peu la haie à la main sur les côtés, juste parce que les côtés, ça repoussait et ça repousse, hein, ça repousse. Là où je coupe, là, je vais mettre du, comment on appelle ça, du vernis transparent. Comme ça empêche le bout de repousser. Bien sûr, là, elle pousse, hein, c'est pas la question. Mais là où j'ai coupé, au moins, ça ne va pas repousser pendant un bon moment. Donc, j'aurai déjà ça de moins à faire. Et voilà. Ben, j'ai encore du rangement à faire. J'ai toujours mes décorations. Là, j'ai au moins trois décorations ou quatre que je ne sais toujours pas où je dois mettre. Non, parce que je vous explique pourquoi. Parce que j'ai des chats. Et que les chats, souvent, ils montent en haut. Et c'est surtout quand j'ai commencé à mettre des décorations. C'est bizarre, hein. J'ai commencé à mettre des décorations, des trucs comme ça. Boum! Ils adorent sauter, ils me font tout tomber. C'est génial. Donc, du coup, je ne sais pas où les mettre. Et comme je ne veux pas faire de trous dans les murs pour mettre des étagères, etc. Donc, du coup, oui, je sais pas. Parce que là-haut, là, c'est pareil. Là-haut, là où je suis, il y a les chats qui se mettent là. Je sais pas si vous voyez. Ici.
en haut. Voilà, j'ai les chats qui se mettent aussi. Donc si je commence à mettre des décorations, ben, il y a tout qui me tombe sur la tête. Donc je réfléchis. Sur mon mini four, ben, je peux rien mettre de. Il faut que ce soit des trucs qui tiennent bien, parce que quand on allume le four, ben, bien sûr, ça chauffe. Donc voilà. Donc je peux pas mettre des petits bibelots qui vont fondre. Ouais. Voilà, style des bougies, des trucs comme ça. Non, je peux pas parce que ça va fondre avec la chaleur. Petit Mars, c'est Sacha. Sacha, petit Mars. C'est Sacha. C'est Sacha. Pourtant, j'ai un grand lit pour deux personnes quand même, hein. Alors des fois il se retrouve à 3 ou à 4 sur le lit. Je crois qu'il va falloir que je... Voilà. Quand j'aurai déménagé, à côté de mon lit, il va falloir que je mette un canapé lit ou un truc comme ça. Oui, parce que quand ils sont à 4 sur le lit, bah du coup je peux plus rentrer dans mon lit. Ben non, parce que moi je veux pas le déranger. Donc du coup je me dis, bon, mais la sieste aujourd'hui, c'est pas la peine, hein. Ben non. Voilà. Bon, ben voilà pour ma petite journée aujourd'hui, dimanche 4 novembre 2018. Bon, le jour va commencer à se lever, mais c'est pas encore ça. Non. Donc voilà, décorer plutôt plutôt pour Noël, ça rend les gens heureux et je confirme. Oui. Allez, au revoir.